De retour sur Vacarme et je suis avec Malek qui vient juste après sa demi-finale, perdu on va dire de peu contre LDS et White. Bon, on va directement revenir là-dessus, donc déjà une belle demi-finale et avec une belle victoire sur Overpass, notamment. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le match et avant ça les vétos quoi? Ouais. Je vais revenir sur les vétos en premier et après je ferai le match. Donc les vétos, c'est une équipe qui joue depuis 2 ans ensemble, c'est-à-dire que tout de suite on sait qu'ils ont le Mapool complet. Nous, très jeunes, donc Mapool 4 maps à tout casser et c'est du 3 semaines de préparation sur les 4 maps, donc pas top. Donc ils nous veto tout de suite D2 parce qu'ils nous ont vu un peu en poule, on a le setup double snipe qui est super efficace. Ils nous veto Mirage parce qu'ils nous ont vu aussi contre Red Instinct, setup double snipe c'est assez fort, donc ils en ont peut-être eu peur je pense. Et donc ils nous ont veto, c'est leur droit, heureusement qu'ils ont fait ça. Nous on veto Inf parce qu'on sait que c'est une de leurs maps fortes. On veto Train parce que on n'a pas mis un pied dessus. Je sais même pas à quoi elle ressemble la carte. Donc au final ça donne quoi? Ça donne Cash. On sait qu'ils sont très forts là-dessus, mais bon on dit go, on l'a préparé avec ce qu'on a, on va voir. Au final ils nous rape. Même si on perd quand même des clutches. Au début de la game c'était serré, on perd quand même quelques clutches importants. Mais bon, y a rien à dire. 1-0, c'est cool. On se remotive, Overpass. Et là, clairement confiant. LDLC White, clairement confiant. C'est White ou pas, on est confiant là-dessus. Et on joue notre jeu, simple. On joue notre jeu. Loki trop fort, Younes trop fort. Chacun a fait son kill quand il fallait. Merci, au revoir. Comme sur Cash. Ouais. Allez, on redistribue les cartes. Et là, c'est Cable. Et là, Cable, on sait qu'ils sont très très forts. C'est qu'ils sont très bons sur Cable. On joue en MLGR, 1-0, 2-0, 3-0, 5-0. Et là, on prend un round qui nous met pas bien parce qu'ils arrivent quand même à tuer beaucoup. Tous les rounds, ils arrivent à nous prendre quand même des kills. Et là, donc, on force nos FAMAS et on repère ce round-là et on est en double écho. Ça remonte 5-4, puis 5-5, puis ils nous ont outplayed. Ils ont lu notre jeu, peut-être aussi grâce à Arts, il faut le souligner, qui est derrière eux, beaucoup d'expérience, qui nous a anti-strat de A à Z. On était sur le lounge, il avait son ordi portable, il regardait nos démos. Voilà, il nous a anti-strat, efficace, merci, au revoir. Voilà. Je pense qu'on avait une petite carte à jouer sur Cable, mais derrière on s'est fait outplayed après. Quoi. On a mis notre jeu, puis après ils étaient au-dessus. Donc GG à eux. Je pense qu'on a été combatif. C'était quand même disputé. J'espère que les gens ils ont vu un bon spectacle, qu'ils sont fiers de nous quand même, fiers de la France, fiers des équipes françaises. On a du gros potentiel en France. C'est cool de le montrer. Une grande scène. Voilà, on s'est pas chié dessus. On est outsider, on n'avait rien à perdre. C'est cool, franchement très content de notre demi-finale. Bah, surtout que c'est pas fini, il reste encore une petite finale à jouer, on va y revenir. Juste aussi un petit mot sur ce quart de finale contre Red Instinct, où c'était vraiment une des affiches pour moi les plus équilibrées. Et au final ça s'est trouvé être un match assez aisé pour vous. Est-ce que tu peux juste aussi revenir rapidement dessus quoi? Donc là, je me rappelle plus trop des vétos, mais on joue Mirage et après on joue Overpass. Donc Overpass, confiant, on va pas se mentir, on leur a mis 16-3 je crois. C'était réglé. Après Mirage, donc c'était leur pic, ils commencent CT. On arrive vraiment à donner le rythme en fait. C'est pas qu'on était confiant ou pas, mais on a réussi à donner le rythme. On pourrait refaire le match aujourd'hui, ça se passerait pas forcément de la même manière. Mais on les faisait bouger beaucoup, on allait en A, un coup en B, un coup lent, un coup rapide, un coup déclic, un coup burning. Franchement, on a bien joué, on a joué notre jeu, tous nos paris étaient bons. Donc la réussite, je dirais les duels, merci, tout le monde était en forme, donc tout le monde a mis son headshot quand il fallait. Et la réussite dans nos choix, enfin mes choix, vu que là c'est moi le lead, dans mes choix, beaucoup de réussite. On va en A, on a réussi à les surprendre tout le temps, en rapide, lentement et tout ça. Donc on fait un très bon side terreau, je me rappelle plus, puis là on passe en CT. Et on met les runes petit à petit, on prend pas la pression, on reste calme, on analyse, on voit les choses. Et ça se finit en 16-9, 16-10. Je me rappelle plus trop des résultats. Mais en tout cas, on n'a pas pris la pression. On était serein. Voilà. On n'a pas été inquiété, on a été serein.
Et grâce à notre réussite et les duels, voilà, les duels. Et après Overpass, on était confiants. Et après, il y a les duels, la continuité. Moi, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment très fort là, sur cette map. Il y a un 16-2, je fais 28 kills, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, d'habitude, c'est moi qui me fais carry. Là, je suis content de dire que je les ai carry. Ça marche. Alors justement, enfin, une petite question qui me vient à l'esprit comme ça. C'est que bon, Overpass, on va pas se cacher, ça va être c'est une très bonne map pour vous. Comment vous choisissez avant une LAN et surtout pour une jeune équipe comme vous, comment vous choisissez les maps sur lesquelles vous avez vraiment travaillé quoi. Est-ce que c'est vous choisissez par exemple Overpass, c'est défini. Alors pourquoi pas une autre map quoi, par exemple. Non. On va se poser les questions, on va être sur TS là, on va discuter, on va dire bon, White ils sont forts sur quoi, Blue ils sont forts sur quoi, Melty ils sont forts sur quoi, et ainsi de suite. Et quand une équipe elle est stable depuis 3, 4, 5, 6 mois, comme End Night, comme We Got Game, comme Blue, Melty, enfin quasiment le bon subtop français, il joue D2, il joue Inferno, il joue Cash, puis après ça va être Kubble, Overpass, Mirage. Et en dernier, ça va être Train. Donc nous, on se dit, go laisser telle ou telle map de côté et go se concentrer sur telle ou telle map. Vu qu'on a des vétos, on a droit à deux vétos. Donc ça veut dire qu'on peut ban des maps sur lesquelles les gens sont forts et sur lesquelles nous, on mettra même pas un pied. On va même pas se focaliser là-dessus, vu qu'on est jeune. Et on va se focaliser genre sur Overpass parce qu'on se dit White c'est moyen sur Overpass, Melty aussi, Blue aussi c'est moyen quoi, ça a travaillé mais c'est quand même moyen et on a notre carte à jouer là-dessus. Donc on a cramé les démos, enfin j'ai cramé les démos parce que ça c'est mon job, j'ai cramé les démos, j'ai regardé toutes les top teams jouer là-dessus, j'ai pris exemple, on va pas se mentir, j'ai pris exemple là-dessus, on a fait des points culture, des strat time, tout ça, et on a préparé quelques maps à fond, voilà. Vous avez donc du coup une petite finale à jouer contre God Game, encore une fois, après avoir perdu contre eux en pool. Est-ce qu'il y a une différence d'état d'esprit là? Bon, j'ai parlé un peu avec les God Game, c'est dire ils ont été plus ou moins impressionnés par votre performance contre White quoi. Est-ce que tu penses que maintenant vous avez l'avantage psychologique sur eux là? Je dirais pas avantage. Franchement, je dirais pas avantage parce qu'ils sont clairement favoris. Ça reste une équipe qui sont ensemble depuis quelques temps, ouais. Parce que ça reste un quatuor assez fort. Lipton est très bon à cette LAN. NPK montre des belles choses à lui mettre aussi. Et c'est le map pool. Encore une fois, je reviens sur le map pool. Ils ont beaucoup de maps. Voilà. Et là, ils nous ont vu jouer sur telle ou telle map. Là, on va certainement se faire veto Overpass, ce genre de choses. Clairement, en pool, on met un rape sur Kubble. Après on passe sur D2, on mène 15-12 je crois, on se fait remonter overtime, on le perd et après on perd la troisième map sur Cash 16-13, c'était quand même très serré, je pense qu'avec un peu plus de réussite de notre côté on aurait pu gagner autant qu'eux ils ont gagné, félicitations à eux, c'est eux qui sont remontés, c'est eux qui sont allés le chercher le match avec les tripes, le caractère, tant mieux, GG à eux, voilà, c'est à nous de prendre notre revanche. Je pense pas que l'état d'esprit ait changé parce que ils ont gagné, ils nous ont gagné. Ils nous ont gagné sur des maps où ils sont forts. Donc pourquoi changer quoi? Ils nous ont gagné sur D2 et ils nous ont gagné sur Cash. Pourquoi ils vont changer leur veto? Et ils nous ont vu là, on s'est fait éclater sur Cash. Donc franchement, je pense que la confiance est de leur côté. Ils restent ultra favoris. Nous, on reste quand même. On s'en dévoile, mais est-ce que t'es prêt à changer toi tes vétos contre eux quoi? Clairement, je peux pas changer mes vétos. Je vais pas aller sur des maps où j'ai pas mis les pieds. Je vais pas jouer une troisième place sur des maps où allez go les gars on va jouer en mix, c'est pas possible. À ce niveau là tout doit être quand même un minimum préparé. Il reste favori, franchement il reste clairement favori. J'espère qu'on montrera nos grosses individualités, le peu de travail qu'on a fourni en peu de temps. Comme d'habitude, franchement moi je suis content, on est là, on est aux SWC, y a rien à dire quoi, tout le monde est bon. Tout le monde a fait des grosses maps, tout le monde a sorti ses gros rounds. Franchement, on a une scène française qui est énorme, donc il n'y a pas de favoris. On est tous bons. Là, je dirais que We Got Game est quand même favori par rapport à nous. On va pas se mentir. C'est vrai que c'est une bonne performance, même si vous terminez 3e ou 4e, ça reste une très bonne note pour vous. Une question un peu plus dans le jeu. C'est vrai que vous êtes une des rares équipes à avoir vraiment deux snipers attitrés, quoi. Donc Younes et Loki, en l'occurrence. Comment en tant que leader tu les utilises? Est-ce que y a certaines maps où un sniper va être préféré ou... Et quand c'est que tu vas utiliser les deux par exemple en même temps quoi?
clairement en CT, je pense que peu importe la map, dès que la monnaie nous le permet, parce que c'est surtout la monnaie, hein, parce qu'en CT c'est vraiment compliqué de gérer l'économie, mais si la monnaie nous le permet en CT, les deux ils le prennent. On en met un sur chaque BP, et après on a un trio de rifles, on fait un peu les chiens fous. Côté terreau, c'est un peu plus compliqué, sur des maps ouvertes comme D2, ok double snipe, sur Mirage, ok. Sur Cache, ça dépendra de quelle équipe on va jouer, s'ils sont passifs ou agressifs. Mais sinon sur Inferno, interdiction complète. Sur Overpass, interdiction complète. Qu'est-ce qui reste comme map? Ouais, je me rappelle plus des maps. Oh là là, je vais changer de jeu. Non, voilà, c'est ça. Mais il n'y en a pas un qui a la priorité sur l'autre. On s'entend vraiment très bien. Il y a Younes. Il est là, il dit... Tiens, Loki, je te le drop. Allez, fais-toi kiffer, bébé. Va les défoncer. Et Loki, c'est pareil. Il va acheter son snipe. Et il dit, tiens, t'as le spawn. Et fais-toi kiffer, bébé. C'est ton 4K, ce round-là. Il y a une super entente, quoi. Il y a pas de concurrence ou je sais pas. Comme on a pu voir, par exemple, chez Titan, où il y avait Kali et Kenny. Nous, on est vraiment pas comme ça. Les deux peuvent le prendre. Les deux doivent le prendre. C'est Younes. On va le monter en l'air. On va le tondre comme un mouton. Donc les deux peuvent le prendre et doivent le prendre parce que c'est notre force. Clairement, c'est notre force. Les deux sont très forts. Ils sont capables de faire la différence de ouf. On l'a encore vu là. Loki sur Overpass, il a été très fort. Et Younes sur la dernière action, même s'il y avait 15... Il a failli mettre un V5 quand même, donc c'est juste pour prouver et montrer le potentiel que ces deux joueurs ont. Il y a Titan qui vient nous le piquer de temps en temps pour last avec eux, c'est pas pour rien. Donc non, on a vraiment un bon 5, il y a XMS qui est ultra fort au skip, enfin au rifle. Moi je suis là pour réguler tout ça. Juste qu'ils fassent pas les fous tout seuls en fait. C'est juste on crée des plans de jeu autour d'eux, mais on joue en équipe, c'est tout. Ça marche. Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver Platinum dans les semaines à venir, je sais pas, compétition online ou LAN? Compétition online, enfin on va faire tout ce qui peut nous qualifier sur toutes les compétitions, genre Major, ESL, ESEA, CEVO, etc. etc. On pourra pas faire la Cap Arena. Parce que ça tombe en décembre, le 20 décembre, etc. C'est les vacances, c'est Noël. Et on a XMS qui va être avec sa famille. On pourrait faire l'Insomnia à Londres. Ah ouais. Ouais, on pourrait faire l'Insomnia à Londres le 10-15 décembre. On est invité au restaurant ce soir, on va pouvoir en discuter justement. Donc l'Insomnia, après sinon ce sera toute la saison prochaine, enfin à partir de janvier, toute la saison. Donc je pense quasiment toutes les LAN françaises, et dès qu'on aura la possibilité d'aller en LAN international, prendre de l'expérience, clairement on ira le prendre. C'est juste j'aimerais qu'on ait le soutien de tous les Français, de vous Vacarme, pour nous pousser à aller vers ces événements-là, pour prendre l'expérience et pour progresser. À l'image de Melty l'année dernière, qui ont fait une CPH de merde. Ils se sont fait éclater, merci, au revoir. Et moi, j'ai mal perçu le fait que... la déchéance derrière, en fait. Au final, ils ont fait une CPH, ils y sont allés, et maintenant, ils savent à quoi s'attendre. Et moi, je préfère ça plutôt que tout le temps dénigrer. Enfin, je soutiens les Français, quoi. Faut pas que c'est sauté une étape, hein. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, toutes les top teams, tiers 1, tiers 2, le gros tiers 2, hein, qu'on soit bien clair, le gros tiers 2, fait que des grosses LAN. Mais quand je dis grosses LAN, c'est 100 000 à chaque fois. Donc c'est Major, Starladder, ESEA, ESL, tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est CPH, Insomnia, DreamHack Valence, tout ce qui est en Roumanie, là, DreamHack Bucarest, Stockholm, tout ça. Il y avait une LAN aussi en Hollande que Younes, Mistou, Alex ont fait en mix il y a quelques semaines, où ils ont fait top 2. Toutes ces LAN-là aujourd'hui, les grosses équipes, elles n'y vont plus. VP, même s'il y a une LAN en Pologne, ils vont même pas la faire. Il y a 10 000 euros à gagner, c'est monstrueux quand même, mais ils vont pas la faire. C'est-à-dire que ça va être tout le sub-top polonais. La CPA, c'est le sub-top danois qui va y aller. Là en Angleterre, c'est Xenex, etc. On sait très bien que la scène anglaise est quand même assez faible.
même pour leur plus grosse équipe, qui est Xenex avec Raltai Snake et tout. Donc au final, aujourd'hui, avant, c'était hyper prestigieux de gagner une CPH, parce qu'il y avait Very Games, MTW, Secras, etc. Aujourd'hui, les VP, les NIP, ils se déplacent plus à ça. C'est la Ligue 2. Donc nous, c'est notre Ligue 2 à nous, et il faut aller à ces LAN. Et... Donc c'est pas sauter une étape, en fait. C'est... Là, on se tape, on se mange entre nous, entre Français. Go les Français, allez défoncer les Polonais, les Espagnols, les Portugais, si on a l'occasion, si la structure le permet à toutes les équipes, que ce soit Melty ou LDLC ou Red Instinct, Dead Pixel, c'est des structures qui ont des gros moyens. Faut nous emmener à ces LAN-là pour qu'on progresse, qu'on sache quel style de jeu ils ont en LAN. Parce qu'il faut savoir que les Français, les Danois, les Polonais, les Suédois, personne n'a le même style de jeu. Personne n'a le même style de jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas ne pas prac les Français et dire ouais, on va pas prac les Français, on va garder nos strats pour la LAN. Ouais, mais si tu prac pas les Français, tu vas arriver en LAN et tu vas te faire surprendre. Parce que le style de jeu français, c'est français quoi. Voilà. Oh bah, je pense que c'était très intéressant. Merci à toi. Je vais te laisser le dernier mot. C'était un remerciement. Donc un grand merci à Vacarme, un grand merci aux SWC, un grand merci à mes teammates, au soutien du public. À vous qui nous regardez, à tout le monde, à Platinium, on est dans une structure en or avec un staff avec qui on a des relations humaines assez serrées, on est soudés, voilà, on va encore au restaurant. C'est kiffant, franchement, d'être dans une structure comme ça, c'est vraiment kiffant, ça peut nous permettre de passer un certain palier. Go soutenir les Français, merci à vous tous, vraiment, c'est tout. Gros bisous. Avec One School, non, Twitch, voilà, essayez de me suivre sur mon Twitch quand je stream, je vais essayer de restream bientôt. Donc voilà, juste j'espère que vous avez kiffé le spectacle qu'on vous a donné, j'espère que demain on va vous donner encore du beau spectacle, qu'on jouera notre meilleur jeu et qu'on fera top 3, mais si on fait pas top 3, donc j'espère qu'on sera pas ridicule et qu'on montrera notre niveau. Voilà, merci à tout le monde. Merci à toi, Malik.